Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, 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 bells. Piano in the bell, 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 bell. Jingle bell, 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 bell. Coucou les gens, donc si vous voyez ma petite tête aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de me lancer un petit défi. Attendez, je vais mettre mes lunettes pour faire un peu un télo. Donc vous voyez mes nouvelles lunettes. Quand je vous disais qu'on avait l'impression que je faisais un petit retour vers le passé, voilà voilà. Donc je vous expliquerai plus, tout au long de la journée pourquoi je me lance dans les vlogmas. Je vous ai expliqué ça, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, dans quel but. Voilà voilà voilà. Je viens de me rendre compte qu'en fait plein de youtubeurs faisaient des vlogmas, j'avais l'impression d'être la seule à y penser. Et hier soir tout le monde a sorti des vidéos en disant ouais je fais des vlogmas, je fais des vlogmas. Je me suis dit oupsie, moi je vais passer un peu inaperçu. Donc là je vais partir en cours, je commence à 9h. Je crois que la semaine dernière j'arrive en retard, ou j'ai failli arriver en retard, donc faudrait peut-être que je me dépêche. Je me suis levée plutôt pour vous. Et j'ai même regardé des petits tutos sur comment faire des bons vlogs, parce que c'est vrai que mes vlogs ils sont pas très dynamiques d'habitude. En fait je pense que, bon je vous en reparlerai un peu après, mais je pense que vous allez vraiment vous rendre compte de qui je suis vraiment. Parce que voilà, il y a plein de gens qui s'imaginent des fausses qui m'imaginent des fausses personnalités, des fausses paroles, des faux comportements dans mes vidéos. Et donc on va en reparler parce que. Et oh là là, mais vraiment mes lunettes, mais j'ai l'impression d'être ma mère quand elle était petite. Donc les gars, c'est parti pour ma petite journée. Let's go. Non mais vraiment les gars, est-ce une vie d'aller en course ou la pluie comme ça, genre. Pourquoi il neige pas? Hier, il a neigé partout en France, j'ai l'impression, sauf chez moi. Genre, expliquez-moi. Enfin si, il a un peu neigé, mais je l'ai appris grâce à Twitter. Donc voilà, la honte, franchement. J'aurais bien aimé voir ça. Go, en cours. Coucou les gars, donc je suis de retour, je vous pose et je vous parle un petit peu. Bon alors là il est 17h30, je viens de rentrer des cours, normalement je finis à 18h le vendredi, mais aujourd'hui c'est mon conseil de classe. Donc aujourd'hui je me suis allée en cours, après j'ai vu un peu mes potes, ensuite je suis allée faire vite fait les magasins et aller voir le marché de Noël, juste pour tout cool, voilà. C'était grave beau. Et je suis allée voir les magasins. J'ai vu une paire de sneakers magnifiques des Fila. Je vous mets une photo ici. Elles sont trop trop belles, mais elles coûtent 130€. Donc je crois pas que ça va le faire. Ça va être un peu chaud. Pourquoi je fais des vlogmas, quelles sont les raisons? Et voilà voilà. Alors je me lance dans les vlogmas tout d'abord comme un défi à moi-même. En fait c'est vraiment depuis que j'ai vu les vidéos de Lena Situation, allez voir sa chaîne. Le défi il a été tellement bien réussi parce que voilà elle a fait des vlogs de qualité, de contenu hyper important. Et pendant l'été je sais à quel point c'est pas facile, je veux dire pendant l'été quand elle faisait des soirées ou des trucs comme ça, quand elle bossait, elle mettait ses vlogs et vraiment... d'habitude j'avais vraiment une mauvaise opinion des vlogmas parce que pour moi les vlogmas c'est juste tu racontes ta vie et voilà. Et là je me suis rendu compte, j'ai découvert plein d'autres vlogueurs en même temps et je me suis rendu compte que c'était un peu comme une sorte de mini-série, même si c'est en soi moins intéressant parce qu'il n'y a pas de scénariste ou quoi, mais c'est un peu une mini-série de nos vies. Ce serait carrément narcissique de dire que ma vie est assez intéressante pour tous les jours vous parler de ma vie. Donc c'est pourquoi c'est un des seuls jours où je vous parlerai principalement de ma vie, je pense, je vais essayer. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens, quand ils voient des vidéos, ou même mes vidéos, mais plutôt des vidéos sur YouTube en général, ils comprennent pas le but et ils se disent mais ça sert à rien, je dirais à personne de raconter plus sa vie. Donc j'avoue que je comprends parfaitement ce point de vue. Après je pense que c'est aussi un truc générationnel et c'est aussi une manière de s'identifier aux gens.
Je vous donne un exemple. Une fille qui va parler de sa rupture sur YouTube, je sais pas, genre ma mère, c'est moi ça, va être en mode, mais enfin, c'est un truc privé et tout. Sauf que ça a peut-être été d'autres gens qui se sont fait larguer ou quoi aussi. Et il y a plein de sujets comme ça. Je pense qu'en fait, on est tellement sur terre qu'on se retrouve à tout dans un sujet de vidéo YouTube. Et parfois, c'est juste des vidéos pour se détendre et voilà, c'est tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je le fais aussi pour faire des souvenirs et je le fais aussi parce que je veux parler de sujets importants et donc tous les jours, je vais me poser, vous parler d'un sujet. Et donc plus généralement, je vous conseille de suivre vos défis. Enfin, je sais que ça va être vraiment un défi de monter une vidéo par jour, de la poster. Je vais peut-être pas y arriver à chaque fois. Mais vraiment, essayez de vous donner des objectifs jusqu'au nouvel an et regardez si vous avez réussi ou pas. Donnez-vous toujours des objectifs et essayez de les réaliser. C'est vraiment des phrases genre bateau, mais c'est la réalité. Et vous donnez pas des objectifs trop grands. Je veux dire, c'est comme si je m'étais dit je vais avoir 100 000 abonnés. Je sais que c'est pas possible. Enfin, franchement, voilà, c'est super dur d'avoir des abonnés sur YouTube et tout. Mais me dire juste je vais faire un contenu qui me plaît et faire un montage sympa, bah voilà, ça c'est un objectif possible. Bon, sortez de votre zone de confort, comme dirait Léna Situation, mon idole. Donc écoutons, continuez ma petite journée. Bon les gars, je vais vous dire bonne nuit parce qu'il faut que je fasse le montage de mon vlog. Je viens de regarder un film de Noël, ça s'appelle Christmas Prince et ça vient de sortir sur Netflix et franchement c'est juste trop cool. Regardez-le, enfin bon, c'est un film d'amour un peu cucu sur le thème de Noël mais c'est sympa, ça met dans l'ambiance. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit et ciao.